Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que c'est bon pour vous? Hello tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau live. Hello. Coucou. Alors attendez, parce qu'on est très blanc là. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau live. Alors en effet, soir. Mais j'ai un invité. Vas-y. Ça a commencé. Oui, ça a commencé. Coucou, bonsoir. J'ai un invité ce soir. Alors en effet, ce n'était pas du tout prévu qu'on live, mais vu qu'on était ensemble, on s'est dit, bah let's go. Voilà, on sera en live ce soir, tous les deux. Je vais juste faire une story pour dire qu'on est en live. Alors ne bougez pas. Comment ça? Oh non, pas lui. Montre ta tête. Merci Tess pour le sub, merci beaucoup. Nevo. Ça, c'est ce que j'aime. Svenilias qui régale. Pour la peine, je sortirai une vidéo bientôt. Ah, ça, grâce ça, à toi, Svenilias. Ça me fait plaisir. Duo ce soir sur Twitch. Je suis encore sur la digestion là. Ça va être un ASMR cacouillé là, je pense. Ouais, mais ça, c'est souvent. Ce soir, nous allons faire du coup un duo de déclencheurs. Est-ce que tu sais s'il y a des choses que tu as envie de faire? Ouais, la rentrée chez moi. Ah, super. Et toi? Rentrer chez moi aussi, mais du coup je suis déjà chez moi. On va dormir. L'invité est mon cousin Nevocaine ASMR 01 Magide pour ceux qui arrivent. Alors. Il y a encore des gens qui me découvrent. Je pensais que t'étais une superstar interplanétaire. Enfin, j'ai quand même. Spoiler. Non. Ah. Ça viendra avec le temps. Bonsoir. C'est pas grave. Tu t'en remettras aussi. Ouais. Alors, moi je vais utiliser mon petit slime. Tu as tes déclencheurs. Il y en a
qui est juste ici. Hein. C'est pas contracté, j'ai l'impression que j'ai rempli la somme. Ah oui. Non, bof, bof, comment ça? Caillou en personne. Attendez. Vas-y, rote. Y'a pas de problème. Lucas en roue libre. Il me lâche des gros roues en live. Ça va, on est que 90. Mais alors là-dedans, j'ai peur déjà, j'appréhende. Ah mais, moi je suis là, je suis sur la digestion là, donc... Fallait me le dire. Fallait me le dire, s'il fallait pas qu'on mange avant. Qui nous a dit venez on mange sushi ce soir. Sushi. On m'a sushi ce soir. Il lui a enlevé chaque dent, putain. Ah, on a un prénom. Tu te souviens? Ah oui, oui. On faisait un chacun. Ok, vas-y. Dark Soul. Mourir en silence, s'il te plaît. Voilà, donc pour ceux qui se demandaient pourquoi il n'y a pas de vidéo sur sa chaîne, c'est parce qu'il est hyperactif en fait. Il a un problème, pas hyperactif dans la sortie de ses vidéos, ça c'est sûr. Mais il a un problème dans les yeux. J'appréhende beaucoup ce live. Je sens, on va pas y arriver. Il sait pas aligner trois mots sans faire une phrase de français ou sans roter. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live ASMR. Ça commence à partir de maintenant. C'est sûr. Dans 5 minutes, il nous fait.
pégère sur le micro. Vomissement ASMR. Ok. Alors. Si digérer était un trigger, je serais gavé chaud. Je vois qu'en effet, il y a des petites bulles qui remontent. Elles sont nombreuses. Et c'est abusé, hein. Je vous jure, c'est une bouteille de Sprite, ça lui tout seul, ce gars. Parce qu'il ne fait que pleurer de rire. Vraiment compliqué ce soir. Je crois que l'ASMR est en fait réservé à l'élite de la nation. On en a enfin la preuve. C'est bon. Thank you.
de chansons ce soir, Dark Soul. Tu veux faire une musique? Tu veux faire Manhattan Kaboul? C'est quoi Manhattan Kaboul? Je m'en souviens pas. Deux étrangers au bout du monde, c'est différent. Deux inconnus, deux avenirs, remuent pourtant. Tu fais ou non? Allez. Ah non, y a pas de musique quand on est à deux, mais bon. On va le faire. Ça n'a pas sonné. Alors, viens t'asseoir. On a besoin de titanosin, ça. Allez, la musique est là. Attends, je peux le... Ah oui, super. Viens par là. Salut à tous. Quotidien, c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Ok, so long, adieu, mon rêve. Non, 1547. Ah ouais, 1547. Dans mes fenêtres, mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les bonbons rasaient mon village. Deux étrangers au bout du monde, c'est différent. Deux inconnus, deux avenirs, mais pourtant pulvérisés sur la terre, la violence éternelle. C'est l'islam et des tyrans. Ceux-là ont-ils jamais lu le Coran? Suis redevenu poussière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse aux pieds d'argile de ces étrangers? Les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux avenirs, mais pourtant pulvérisés sur la terre de la violence éternelle. Deux étrangers du monde si différent. Deux inconnus, deux avenirs, mais pourtant pulvérisés sur la terre de violence éternelle. Et voilà. T'as encore ôté?
Et ça, c'est quand même vachement agréable. Mais écoute, j'ai moi-même du coup appris quelque chose. Ouais, je sais. Merci beaucoup. De rien, Roxane. Je suis honorée. Et faudrait. D'ailleurs, tu sais que t'as 3 mois de salaire à me payer en retard. J'en profite justement qu'il y ait 143 personnes parce que. Ah, d'accord. Et est-ce qu'on en parle ou pas du salaire que tu dois aux gens qui se sont abonnés à ta chaîne et qui n'ont pas eu de vidéo depuis 2 mois déjà? Ça arrive. Parce que je pense que ça. Il y a une sacrée compensation. Le chanteur, c'est le mari d'Avril Lavigne. Alors je. J'ai un doute. Alors pendant un temps, il me semble que c'était le chanteur de Nickelback qui était le mari d'Avril Lavigne. Si maintenant c'est pas le chanteur de Simple, j'ai un doute. Tu sais quoi, je vais me renseigner. Renseigne-toi. Avril Lavigne d'ailleurs qui avait expliqué, je crois qu'elle est atteinte d'une maladie assez rare. Et c'est pour ça qu'elle avait mis sa carrière en pause. Voilà, si ça vous intéresse, elle en avait beaucoup parlé et tout, c'était hyper intéressant ce qu'elle avait dit. Voilà. Je sais pas. D'ailleurs Avril Lavigne qui vraiment toutes ses musiques c'était des classiques, hein, c'était incroyable. Le souci, c'est de voir puisqu'elle va être destituée, virée, licenciée. Oh non, pas meurtrée. Ah si, 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 tout à fait. C'est ma modératrice préférée. Je rigole même. Comment déclencher une guerre? Ouais, tu m'avais dit que celui que tu détestes le plus, c'est Grosiflette. C'est ça, celui que t'aimes le moins, tu m'avais dit. Darkman, tu m'as dit bof, bof aussi. Tu m'as dit que les anciens te manquaient. C'est clair que ça manque hein, quand je suis pas sur le chat pour modérer. C'est vrai que tu m'as dit, c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus incisif par rapport à eux. Tu trouves que je rapporte, que j'amène une véritable atmosphère contrairement à tes modérateurs qui te freinent, c'est ça que tu m'avais dit. C'est vrai que le développement est assez compliqué de ta chaîne avec des énergumènes pareils. Hein. Ah, je comprends. Oh non, les pauvres. Ouais. On pourrait croire que Audrey et Jeanne apportent une touche positive, mais en réalité c'est l'inverse. On se casse les couilles. Aussi. Chester, il a fait. Ça s'appelait Crawling, pour ceux qui connaissent un peu Linkin Park. C'était Crawling. Il a fait une version en fait live où il l'avait copié au piano et c'est incroyable. Elle est vraiment hyper belle. Et tout, il chante avec tout le monde et il chante au milieu de la foule. Et c'est vraiment une dinguerie cette version. C'est, je pense, ma musique préférée de Linkin Park. Crawling. Et je rajouterai Rest in Peace, Chester. Salut Zosen et Snows. Sinon je vais encore me taper
c'est parce que j'ai le Covid. Merde, t'avais remis le son. Oui. C'est pas vrai, j'ai mis ça. Il avait encore ses cheveux rouges à l'époque. Dans Crawling, la version live qui fait, il a beaucoup de cheveux déjà. Ouais, la Crawling en version concert, c'est incroyable, elle est magnifique. C'est quoi ton chanteur préféré, ton artiste du moment, Roxane? J'aime bien aussi, mais Rêve Mieux, elle est vraiment bien. Elle me parle. Okay. C'est Note pour trop tard, mais c'est pas cet album-là, c'était l'ancien. Non, Note pour trop tard, elle me fait quelque chose, quoi. Ouais, je comprends. Aïe, 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 aïe. C'est ça, la musique. J'ai envie de crever. Ne fais plus jamais Note pour trop tard devant moi. Prochaine fois que tu fais ça, je te jure, stream pas, je te relâche. Bien.
méga aimé. Il a dit que c'était pas mal, mais sans plus. C'est... ce temps-là. Par-dessus nos fenêtres. Alors apparemment, regarde, il y a Grégory qui te dit, c'est bon, j'entends pas trop, j'entends pas son micro à elle. Merci d'avance. Je le rapproche de ma bouche. Ah oui, Vaudio, elle est incroyable. Elle est vraiment, vraiment trop belle. En fait, c'est les interprétations de The Kid Laroi qui rendent les instruments incroyables. Ah, du disco japonais, Sven. Alors moi, j'en écoute pas mal. J'écoute il y a un passage aussi dans celle-là qui fait « Je peux mourir demain, ça ne change rien, j'ai reçu de ses mains le bonheur ancré dans mon âme, c'est même trop pour un seul homme, je l'ai vu partir sans rien dire, il fallait seulement qu'elle respire, merci d'avoir enchanté ma vie. » Oh, elle est magnifique. Excusez-moi.
vous êtes pas des pignons. Non. Pas ceux qui sont abonnés en tout cas, bien entendu. Monsieur Sam 41. Non, en vrai, Ulrich Stern. Moi je. C'est pas Bleach ou un truc comme ça. Non, je dis de la merde. Je dis de la merde, excuse-moi, j'ai confondu quelque chose. Comment je vais mettre cette droite sur moi du coup? Itoria NP. Je sais pas. Itorian.
comme ça. Parce qu'elle me parle. Et donc du coup, tu sais que je suis bientôt. Non. Regarde, elle le sera bien. Ah, je rigole, je rigole. On ira, on saura sauver notre existence, nous donner une chance de tout effacer. On ira, on saura. Tu l'as pas? Allez, désabonnez-vous. C'est code Lyoko. Justement. Ah, mais je connais en plus. J'ai pas le générique. Soul qui te dit si Offspring et Green Day c'est génial, on est d'accord. Tiens, tu te dis t'en bats les couilles. Je connais pas Green Day aussi. Si Offspring, je ne saurais pas dire les titres des musiques, mais ils ont des trucs un peu cool. Ah ouais. Mais j'avoue que Green Day me parle plus aussi que si Offspring. C'est, enfin, j'ai préféré, je préfère Green Day. Wake Me Up When September Ends, j'adore celle-là. Je sais pas si tu vois. J'ai pas les titres. Ok, attends, je te la fais. Summer has gone and passed. Na 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 na. Je pense que tu devrais en chanter comme. Wake me up when September ends. Merci beaucoup, petite sirène, pour ton sub. Ah, ben oui, vas-y, Dorian. Tu vas kiffer. C'est Dorian. Tu viens de faire quoi? Oui, oui, bien sûr, Aitoria, abonne-toi. Attends. Aitorian P. Voilà, exactement. Bon, ça y est, on est à la fin du live, Lucas. Ah, enfin, ça a commencé à me saouler de toute façon. J'espère que ça vous a plu, les amis. C'était parce improvisé. Bof. Excuse-moi, je te laisse terminer. Soir à partir de 21h, donc soyez quand même là. Oulala, tu veux enlever la casquette pour montrer? Ah, il y a quand même quasiment 50 subs. J'essaie de parler, je m'en branle en fait. Pas du tout. Allez, gros bisous tout le monde, c'était sympa.